épisode de 3 minutes pour changer de vie. Comme vous le savez, je vous accompagne depuis l'année dernière. C'est la saison 2 pour ceux qui viennent nous rejoindre. Et je vous demande mon challenge, donnez-moi 3 minutes et ça pourrait, ça va changer votre vie. On a eu pas mal de gens qui nous ont témoigné que sur toute une année, à force de regarder 3 minutes pour changer de vie et surtout d'appliquer les petits secrets et les petits tips que je donne, ils ont pu avoir quand même pas mal de changements. Aujourd'hui, je vous emmène chez les criminels. Un criminel, c'est comme une grenouille. Des fois, quand on s'habitue au crime, il nous est impossible de s'arrêter. C'est ce que des fois la nature nous montre avec les serial killers. Et donc ça, c'est un roi qui a attrapé un serial killer et il lui dit, bon, bah, de toutes les manières, la sentence, elle est très claire, tu vas quand même avoir le choix. Donc il l'amène, il dit, c'est où la corde, donc tu vas être pendu, ou alors tu vas passer au travers de cette porte noire en métal qui est hyper terrifiante. Qu'est-ce que tu choisis? Tu as le choix entre les deux, ou tu es pendu, ou tu passes à travers cette porte. Et il regarde la porte et c'est vrai que c'était une porte noire, assez épaisse, en fer, et elle avait l'air vraiment terrifiante. Je préfère la corde. Ok, emmenez-le. Et au moment où on allait le pendre, le criminel s'adresse au roi et lui dit, mais juste par curiosité, moi j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Alors le roi, il prend une longue inspire, il sourit et il lui dit, c'est très bizarre. J'offre tout le temps cette possibilité, ces deux possibilités aux gens qui commettent des crimes irréparables. C'est fou comment tout le monde choisit la corde. Et il se tait. Et l'autre criminel qui fait, oui, d'accord, ça j'avais compris que tout le monde choisit la corde, mais à la limite, c'est pas grave. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Il fait, derrière cette porte, en réalité, il y avait ta liberté. Derrière cette porte, tu étais libre de partir. Mais je me suis rendu compte que les gens ont tellement peur de l'inconnu qu'ils ne prennent pas le risque et qu'ils préfèrent quelque chose de connu qui est une corde, donc une mort certaine. Mais il n'y a pas de surprise, je sais qu'on va me passer la corde autour du cou et je vais être pendu. En réalité, ce que j'ai offert en contrepartie, c'était la liberté. Combien d'entre nous, on a eu la peur au ventre, tétanisé, mortifié, parce qu'on a peur de franchir le pas, parce qu'on a peur de passer à l'action, parce qu'on a peur de l'inconnu, de ce qu'on va découvrir. Et ça, moi, je l'ai vécu dans mes tripes, mais la fois la plus flagrante, c'est quand j'ai fait du parachutisme. Donc, je monte, c'était un saut de 4000 mètres. Alors, dès que l'avion décolle et je commence à regarder par la fenêtre comme ça, et je fais oui. Je leur ai fait, écoutez, c'est pas grave, moi je vais payer le vol parce que je l'ai réservé, mais je vais aller à ma maison et je vais voir ma maman. J'avais 4 ans d'âge, je leur ai fait, j'ai à 4 ans, il faut que je descende. Et le pilote, parce que certainement ils ont l'habitude, m'a dit, écoutez madame, nous on a une consigne très simple. L'avion monte avec du monde, elle descend seule. Il n'y a personne à bord à part le pilote. Je dis, la mouée, l'Australien qui est rendu. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas trop le choix. J'étais obligée de sauter parce qu'ils ne m'ont pas laissé le choix. Donc, j'avais une peur comme j'en ai jamais eu de ma vie. Ça montait comme ça. Je tremblais comme une feuille de partout et j'étais là, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi ça va pas, j'ai pas besoin d'avoir une vie comme ça, ma vie elle est bien, j'ai pas besoin de rajouter de la peur en plus, etc. Un milliard de discours me passaient par la tête. Et le pire moment, c'est quand ils ont ouvert la porte et là, je regarde, les voitures étaient petites comme ça, les êtres humains étaient petits comme des fourmis. Et là, je me suis dit, je crois que c'est bon, je vais mourir. Je vais faire un infarctus avant même de descendre de l'avion. Je crois que je vais avoir un arrêt cardiaque avant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la peur à son maximum. Et il voyait que j'étais agrippée aux portes, agrippée, je ne lâchais pas. Il me dit là, j'ai dit, je ne peux pas y arriver. Il me dit, d'accord, écoute, respire. Tranquillement, à 5, on y va. Alors lâche, et de toutes les manières, tu le sais, à 5, on y va. Je dis, ok, d'accord. Et il me fait 1, 2, il me pousse et là, j'étais là. Et il s'est passé quelque chose de fantastique. À partir du moment où il m'a poussé, comme j'étais dans l'action, on n'avait plus peur. J'étais juste à propos de, attention, il faut que j'attrape, il m'a dit de lever les pieds, il m'a dit de mettre les bras comme ça, il m'a dit de lever la tête, il m'a dit d'agripper le truc, et il faut que je tire sur la colle. J'étais tellement dans l'action et puis dans l'appréciation, parce que je flottais dans l'air. J'étais comme ça, je regardais autour de moi, c'était magnifique, le paysage était super, j'avais du soleil sur le visage, en même temps j'avais de l'air. Et c'est comme ça que j'ai réalisé qu'en fait, l'ennemi numéro un de la peur, c'est l'action.
parce que dès que j'étais dans l'action, la peur s'est arrêtée net. Est-ce que vous pensez que les plus grands leaders n'ont pas peur? Ils ont tous peur, mais ils passent à l'action. Est-ce que vous pensez que les chefs d'État, quand ils prennent des décisions capitales, ils n'ont pas peur? Ils ont la peur au ventre, mais ils passent à l'action. La peur est un sentiment normal, naturel, et je vous rassure, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous allez l'avoir jusqu'à votre mort. C'est Elina, c'est un compagnon de vie. Maintenant, dealez avec ce compagnon de vie en intégrant de l'action parce qu'il déteste, la peur déteste l'action. Donc aujourd'hui, j'ai une formule simple à partager avec vous. Peur, l'ennemi égale l'action. Mettez-vous en action la majorité du temps et spécialement quand vous avez peur. Mais écoutez, c'est bien. Passez à l'action, c'est encore mieux. Intégrez-le, faites-le, laissez-moi des témoignages. Si le fait d'avoir mis de l'action dans votre vie, ça a diminué la peur et surtout, ça vous a rendu fier et vous avez réalisé plus de choses, n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires. C'était Nahid Rached avec un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Hada huwa, Allah yahfidhkom.